Bonjour à tous et bienvenue dans Passion Autosport du Var. Aujourd'hui, je reçois Laurent. Salut Mathieu. Et voilà, on est à la campagne. Hein. On a d'ailleurs, si vous entendez derrière, on a le tracteur qui nous enquiquine bien. Exactement, ouais, il est là. Bon, bah, Laurent, écoute, c'est encore un grand plaisir de te recevoir dans Passion Autosport du Var. Donc, je t'ai vu. Aussi, Mathieu, ça fait très plaisir. Ouais. Bah, il y avait quelques semaines, on avait fait un super beau combi, un T2 double cabine, pick-up. Donc, pour ceux qui ont suivi les reportages, un engin magnifique. Hein. Donc, ouais. un superbe VV. Ouais. Et puis, on avait parlé d'une petite R5 que j'attendais avec impatience. La voilà, elle est finie, préférée, restaurée. On est arrivé de celle-là. Ah, elle est magnifique. Ça fait rêver. Donc, bah, écoute, alors... on l'a fait, le Vintage Garage l'a fait. Donc, ça a été des heures de restauration quand même dessus. Il y a eu du boulot. Et oui. Moi, j'adore parce que, comme je le disais, donc c'est pas parce que tu es là, je fais pas des reportages pour faire du business derrière. Et Laurence, donc ce que j'aime dans ta façon de travailler, c'est que tu le fais avec de la passion. Et tu le fais donc... avec quelques modifications personnalisées, comme oui, tu disais. Oui, j'essaye de respecter l'origine. Après, j'amène toujours une petite touche personnelle. Voilà, j'essaye de ressembler à l'origine, mais maintenant, j'amène toujours un petit truc, comme là, les pare-chocs. Voilà, une petite esthétique que je trouve. Voilà. Et voilà, et c'est ça que j'aime bien. C'est ma petite patte, voilà. J'aime bien. Et puis, c'est fait quand même dans les règles de l'art, donc tu es consciencieux dans ton travail. Quand même, donc, et c'est pour ça que moi, à chaque fois, je suis vraiment content de te recevoir. Donc, ouais, écoutez, on va sans plus attendre dans Passion Autosport du Var découvrir cette superbe R5 TS de 1976. Exactement. Donc là, Mathieu, sur la carrosserie, donc, les bas de caisse ont été changés. Donc les bas de caisse sont neufs. J'ai également changé tout le compartiment de batterie, qui est quand même le souci sur les Renault 5. C'est que le compartiment batterie, au bout d'un moment, les batteries sont vieilles. Elles arrivent à se percer. Et donc l'acide fond tout le compartiment batterie. Donc c'est souvent le problème sur des voitures qui ont plus de 30 ans. Donc là, ça a été changé également. Ouais, Mathieu, donc encore un détail sur les Renault 5 TS, elles avaient souvent des custodes arrière, donc les vitres entrebâillantes. Celle-ci ne l'a pas, mais c'est pas un défaut. Elles sont sorties également comme ça, les TS. Il y a eu très peu de modèles, effectivement, mais celle-ci n'a pas les vitres custodes. Alors, je n'ai pas suivi, les puristes vont le voir de suite, j'ai pas suivi l'origine de la voiture. Elle avait les pare-chocs gris à l'époque. Donc moi, pour l'esthétique, j'ai préféré les refaire en noir. Je trouvais que c'était beaucoup plus harmonieux que les pare-chocs gris. Voilà, donc chacun ses goûts. Donc voici Mathieu le compartiment moteur de la Renault 5 TS. Donc comme tout le monde le sait, elle a son 1289, 1300 cm3, coiffé par son carburateur Weber 32DIR. Cette petite bombinette fait 64 chevaux avec une boîte 4 vitesses à 6000 tours minute. Donc c'était vraiment l'approche des premières sportives, hein, on peut dire. Donc très nerveuse. Nous au vintage on a démonté le moteur, on a fait contrôler la culasse, on l'a fait rectifier, donc joint de culasse neuf, tous les joints moteurs ont été changés, la pompe à eau est neuve. On a démonté également la boîte de vitesse pour contrôler tout ce qui allait dedans. Ensuite on a mis un embrayage neuf, voilà, donc ça y fait vraiment une voiture qui peut repartir pour une nouvelle vie.
Donc là, tu vois, Mathieu, on est sur une phase 1. On la reconnaît grâce à son tableau de bord qui était vraiment spécifique de l'époque. Hein. Voilà, bien carré, hyper dépouillé. Ouais, bon, celle-là, elle a le contour, évidemment, c'est une TS. Donc elle a son contour. Voilà, là, sa moquette d'origine. Tout l'intérieur est d'origine, comme tu peux voir. Bon, ouais, la moquette est encore pas mal. Hein. La voiture est de 76. Hein. Donc tout est d'origine. Elle a les sièges façon qu'ils ont pris sur les Alpines. Hein. Donc là, dans son coloris marron. Voilà, on la retrouve des fois en noir aussi, il peut exister, mais vraiment marron, là, c'est une couleur qui va super avec le orange. Voilà, donc il est vraiment dans un super état, quoi. Voilà, c'est ce qui fait le charme. Et ce fameux poste 4 x 2000 watts. Bon, là, on peut pas le mettre en route, hein, ça réveillerait tout le monde. Mais vraiment, ça envoie. Hein. Bon Laurent, maintenant qu'on a bien vu cette superbe TS, ouais. Donc moi aujourd'hui je veux m'appeler Marty et toi je veux que tu sois le doc, donc je veux que tu me fasses voyager dans le temps. Parce que j'ai mis aussi un peu de magie dans cette voiture. Et tu vas voir qu'elle fait vraiment voyager dans le temps, Mathieu. Tu vas pas te reconnaître. Allez, on y va. Et c'est parti, 88 miles à l'heure, Mathieu, t'es prêt? Accroche-toi, c'est parti. Ça y est. Oh là 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 là, mon Dieu, rien comme ça. Bon bah là c'est le voyage dans le temps assuré. Je t'avais dit, cette voiture est extraordinaire, il y a de la magie dedans. J'ai l'impression d'être en 1976. Bah, et écoute, toi? Bah j'ai l'impression parce que tu me fais peur parce que je trouve que t'as changé de look. Mais toi c'est pareil, qu'est-ce qui t'est arrivé? Ah mais écoute, ça y est, c'est les années 70. C'est les années 70. La Renault 5, la liberté, puis c'est love. Voilà. Ah ça c'est bon ça. On y est, Mathieu. Oh, j'adore. Je t'avais dit. Bon, on n'a pas le radio CD, ça n'existait pas à cette époque. Hein. T'es pas pressé de remettre en 2017? J'adore. Enfin, moi, je veux rester comme ça. Bon, allez, revenons à notre chose. Donc, alors moi, tu sais que la Renault 5, j'adore cette voiture dans toute sa splendeur. Elle est vraiment terrible. L'intérieur, il est magnifique. C'est vraiment... Alors, tu disais que l'intérieur, il n'y a eu quasiment pas de restauration. Non, quasiment pas de restauration. C'est trop bon. Il était vraiment dans un super état, donc je l'ai laissé comme ça, d'origine. Ce qui est bien, c'est que t'es pas du tout crédible. Hey, j'ai l'impression d'avoir Dev à côté de nous. C'est ça. Tu connais une petite chanson de Dev? Vanina, Vanina. C'était dans les années 70, hein? Vanina, ouais. Bon, en tout cas, c'est trop bon. Écoute, Lolo, en tout cas, elle est vraiment superbe. Cette petite R5 TS, vraiment magnifique. Elle est vraiment mythique. Oui, la TS est mythique. Ouais. Donc, c'est vraiment une voiture qui... Alors, c'était la concurrente à l'époque de la Peugeot 104. Il y avait aussi sur le marché la Mini Austin, il y avait tout ce panel d'automobiles, donc des petites citadines, et la Renault 5 a tiré son épingle du jeu par sa petite bouille. Aujourd'hui, on a tous un souvenir de cette auto par un parent, par un grand-parent. Je pense que ouais, tout le monde a eu un jour une Renault 5, TL, GTL, L, dans la vie où ses parents s'est oublié, verte, on a jaune. Tous le papé qui allait chercher, ouais, avec ce beau petit béret, exactement. Sa baguette de pain. Bon, toi, c'était un peu moins. Toi, on était plus dans l'Allemagne. Ouais, je ne sais pas ce que tu veux dire, je comprends pas. Alors, allez, continuons notre route. Et puis, il va falloir bientôt revenir dans les années 2017. Hein. Eh oui, malheureusement, on était bien en 64. C'était pas mal. Fais mourir de rire, c'était encore excellent. Et franchement, j'adore pas faire des trucs avec toi. C'est l'éclat et je pense qu'on va en faire d'autres. Ouais, on va s'amuser. Alors merci d'avoir suivi ce reportage. Donc vous pouvez retrouver Laurent, le Vintage Garage, ouais. Sur leur page Facebook. Donc il fait de la restauration de voitures, il est doué, il est rigolo. Moi je kiffe ce mec. c'est la R5 DeLorean volante, voilà, et franchement c'était trop bon. Je l'ai faite, hein. On a mis du temps. Hein. Allez Doc. Ciao. Je vais prendre mon snowboard. Mince, avec ce retour dans le passé, j'ai oublié de lui dire à Mathieu que la voiture était en vente.
Retour dans le futur.